Alors, avant de vous présenter mon entreprise, je me présente. Je m'appelle Anes Zarhouni, je suis directeur central à la Banque de Développement Local, la BDL. La BDL qui est la dernière née des banques publiques algériennes, qui a accumulé plus de 35 ans d'expertise dans le financement des petites et moyennes entreprises, grâce auxquelles elle a pu se distinguer en tant que banque universelle en finançant à la fois les moyennes entreprises, les moyennes et grandes entreprises, mais aussi les ménages. D'ailleurs, à l'instar du reste des banques publiques, la BDL a contribué au financement de plus de 80% de l'économie nationale, et ce, en offrant des produits et services en adéquation avec les avancées technologiques et économiques, les avancées économiques et technologiques internationaux, mais aussi en conformité avec les orientations des pouvoirs publics. Alors écoutez, l'innovation a positivement impacté le développement, mais aussi l'adoption des monétiques, donc des e-banking, des services bancaires électroniques. Et on a ressenti dernièrement avec l'apparition de la pandémie que les Algériens, ou du moins les clients bancaires en Algérie, avaient ressenti le besoin d'utiliser ce type de moyen de paiement. Et d'ailleurs, nous attendons beaucoup des start-upers en matière de création et de développement de solutions monétiques qui nous permettront à nous d'offrir de nouvelles solutions plus adaptées et plus sécurisées à notre clientèle. Alors écoutez, je suis assez fier de dire que la BDL a contribué au financement d'un grand nombre d'entreprises versées dans le domaine de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. D'ailleurs, je pourrais citer quelques-unes qui se sont spécialisées dans le domaine de développement d'espaces cloud. C'est des espaces de gestion de données à distance qui sont très utilisés par les start-upers à l'heure actuelle dans le développement de leur plateforme. Et je dirais par ailleurs que la BDL participe activement à ce genre d'événement qui vise à promouvoir l'innovation nationale. Alors à ce sujet, je vous informe que la BDL est actionnaire du Fonds algérien de start-up et qu'elle en préside et qu'elle a la lourde tâche d'en présider son comité de financement. Et de ce fait, ou à ce titre, la BDL est partie prenante dans le développement du secteur des start-up, un secteur très prometteur pour notre économie nationale. Pour ce qui est de nos attentes, nous attendons de découvrir des projets intéressants en matière de technologie financière ou fintech. Quant à nos objectifs, c'est de rechercher des opportunités de financement. Alors, comme dernier mot, je dirais aux start-upers de ne pas baisser les bras, de continuer à avancer, quelle que soit la difficulté, et de ne jamais, jamais hésiter à nous solliciter en cas de besoin. Bonne chance à vous.